can you correct after the team? Mangao, Mangao, NWWO. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis hier. Résumez-nous en deux mots. D'abord, vous êtes un peu surpris de ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez nous résumer un tout petit peu en deux mots ? Il y a eu beaucoup d'échanges, effectivement, depuis hier avec la rectrice, Madame Audrey Lebas, et aussi avec, avec d'autres membres du rectorat et de l'Université de Genève. Là, la situation, c'est vraiment, ils nous demandent de partir du bâtiment. Ils nous demandent, en tout cas, expressément de partir dès ce soir pour cette nuit. Ils ne veulent plus qu'on passe la nuit dans le hall, dans le bâtiment du Nimaï. Donc ça, c'est leur première demande urgente. Et ils menacent, entre guillemets, c'est pas réellement une menace, mais que si on reste dormir ce soir encore, on aura une première sommation de la part de la rectrice qui fera office de première sommation, que donc à partir de ce moment-là, la police pourra intervenir à l'intérieur du bâtiment pour nous évacuer. Est-ce que vous pensez que c'est tous les incidents qui ont eu lieu, il y a eu deux incidents plus un troisième plus sérieux, est-ce que vous pensez que c'est cette sécurité-là qui n'a pas joué, c'est pour ça qu'il y a... Effectivement, le rectorat met beaucoup en avant l'enjeu sécuritaire. Nous, on ne le comprend pas réellement, on trouve que ce n'est pas réellement un enjeu. Et en plus, de plus que le rôle du rectorat de la part de l'université, c'est d'assurer notre sécurité et ce n'est pas notre responsabilité. Donc ça devrait être dans leurs mains, ils ne devraient pas nous mettre cette charge sur nous, sur notre responsabilité. Donc voilà, nous, on continue à occuper, on continue à se mobiliser pour nos revendications. On est persuadé que nos revendications et notre occupation sont légitimes, donc on continue à se mobiliser. Ça sera ma dernière question. Vous avez été, comme j'ai compris en petits mots, vous avez été exclu du comité de scientifiques. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez juste en deux mots nous parler de ça ? Oui, on a été, donc on vient de l'apprendre cet après-midi, on a été exclu du comité scientifique après deux réunions. La deuxième était hier dans la journée. On a été exclu parce qu'on a décidé de... Pardon. On a été exclu parce qu'on a décidé hier soir de continuer à occuper le bâtiment de nuit. Donc maintenant, on est exclu de ce comité parce qu'on a apparemment pas réglé... Su-régler des affaires. j'ai oublié mes mots. On n'a pas respecté, voilà. On n'a pas respecté les règles qui nous avaient imposées, soit de quitter le bâtiment de nuit si on voulait rester au comité scientifique. Et puis, il y avait aussi ce litige avec deux fanions que vous auriez dû enlever, puis qui n'est pas encore très clair juridiquement. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette situation? Et ça sera ma dernière chose. Qu'est-ce que vous voyez la suite maintenant? Qu'est-ce qui va se passer dans les heures à venir? On est presque 16 heures. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Bah là, la mobilisation, elle continue. Il y a des gens à l'extérieur et des personnes à l'intérieur. Donc la mobilisation, elle continue. On se prépare aussi pour le rassemblement de demain, lundi, à midi, devant le bâtiment du Nimaï. On prépare un rassemblement donc pour visibiliser et continuer la mobilisation. Donc là, ce soir, les activités habituelles vont continuer. On va avoir le repas, l'Assemblée Générale, comme tous les jours. Et on aura aussi une projection de film ce soir. Donc je pense que la mobilisation, l'occupation, elle continue comme toute la semaine, elle a eu lieu. L'année dernière, vous avez donné un coup de cime à l'heure, normalement sur le Paris. Chose, bien sûr, encore une fois, ça devrait être avalisé par l'Assemblée Générale de ce soir à 18h.
Le rectorat nous demandait donc de, pour participer au conseil scientifique, le rectorat nous demandait de quitter l'occupation de nuit cette nuit. On a obtenu qu'il serait possible de rester cette nuit dans le cas où on irait à la prochaine réunion de demain. Et si on était satisfait de la réunion de demain, qu'on avait l'impression que nos revendications étaient écoutées, qu'elles étaient prises au sérieux et qu'elles allaient aboutir, on serait alors d'accord de quitter l'occupation de nuit. Encore une fois, ce serait seulement avec la validation de l'AG, c'est des choses dont on a discuté, qui ne sont pas encore sûres de notre côté, mais c'est possible et entendable pour le rectorat. Ce qui est sûr, c'est que nous, dans tous les cas, cette nuit, on reste, indépendamment de ce que décide l'AG. Merci. Merci. Est-ce que vous êtes d'un côté satisfait d'un certain point avec la direction de l'UNI et est-ce que vous avez été écouté? Alors, on est déjà satisfait que le dialogue ait pu être vraiment ouvert. On s'est senti écouté. On n'est pas encore satisfait parce qu'on n'a pas de vraie réponse, on n'a pas les mesures prises. Mais en tout cas, le dialogue, il est là et ça, c'est vraiment quelque chose de très appréciable. Et c'était aussi le premier point qu'on voulait créer avec le rectorat. Donc, voilà. Merci. Ouais, si vous pouvez préciser là, ce conseil scientifique, j'ai pas compris si c'était un conseil qui était créé de manière ad hoc pour discuter de la situation à Gaza, ou si c'est un conseil qui est appelé à perdurer pour discuter de toutes sortes de situations de crise, dont les premières discussions portent sur Gaza, mais il y en aura d'autres. Vous voyez le... Alors, c'est pas vraiment porté sur ce qui se passe à Gaza, mais plus sur le rôle que doit avoir l'Université de Genève dans les différentes actualités qui se passent dans le monde. Donc et c'est pas un conseil qui est censé s'arrêter? Non, ça commence avec nos revendications, voilà. Et à une volonté de long terme. Alors, sans présager ce que décidera l'AG, mais vous êtes plutôt partisan à participer demain au conseil scientifique? On verra ce que dit l'AG. Mais vous? On verra ce que dit l'AG. Toujours sur le conseil scientifique, vous pouvez préciser qui sont les 7 autres membres, enfin c'est des universitaires, c'est des représentants de la société civile, enfin c'est qui? En fait, on n'a pas les noms précis, ouais. On sait qu'il y aura une personne du rectorat, des membres de la société civile et très sûrement aussi une autre étudiante ou étudiant qui n'est pas membre de la coordination. Là, vous avez discuté avec le vice-recteur, donc Edouard Janta. Et Esposito était présent aussi. Oui. La rectrice, elle n'était pas... Non, c'est la ça. Rectrice, elle n'était pas là. Alors, sans présager ce que décidera l'AG, mais vous êtes plutôt partisan à participer demain au conseil scientifique? On verra ce que dit l'AG. Mais vous? On verra ce que dit l'AG. Toujours sur le conseil scientifique, vous pouvez préciser qui sont les 7 autres membres, enfin, c'est des universitaires, c'est des représentants de la société civile, enfin, c'est qui? En fait, on n'a pas les noms précis, ouais. On sait qu'il y aura une personne du rectorat, des membres de la société civile et très sûrement aussi une autre étudiante ou étudiant qui n'est pas membre de la coordination. Là, vous avez discuté avec le vice-recteur, donc Edouard Janta. Et Esposito était présent aussi. Oui. Mais la rectrice, elle n'était pas... Non, c'est la rectrice, elle n'était pas là. Paolo Girardi, on vous connaît bien à Genève. Vous êtes assez une personnalité qu'on connaît bien dans la cité de Calvin. Si on revient un peu en arrière, le 7 octobre, pogrom en Israël, 1200 morts. Et là, le 8,
Benjamin Netanyahou déclenche la guerre israélo-Hamas. On sait le bilan, 32 000 morts, des gens qui doivent fuir. Quelle est votre réaction aujourd'hui pour cette manifestation ici, cette occupation, dans le hall de l'UNI MAI Genève? Mais moi, je pars d'une idée, c'est qu'il y a d'un côté 70 ans d'occupation de terres qui ne leur appartiennent pas par l'entité sioniste, et de l'autre, il y a des journalistes de télévision qui invitent sur leur plateau des espèces de spécialistes pour disserter sur la légitimité et la licéité d'une occupation de l'université. On est complètement dans le délire. Ils ne prennent pas position, et les gouvernements occidentaux, y compris le gouvernement suisse, ne prennent pas position contre la guerre de Netanyahou contre la population de Gaza. Ce n'est pas une guerre contre le Hamas, c'est une guerre contre la population de Gaza. Là, on ne les critique pas. Par contre, s'il s'agit de disserter sur la licéité d'une occupation comme celle-ci, alors ils sont prêts. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'ai entendu la radio ce matin évoquer les incidents de la nuit passée, j'ai décidé de venir ici pour les soutenir, pour soutenir cette occupation. Est-ce que l'université peut être neutre si elle collabore dans des programmes universitaires avec Israël, dans des activités militaires? Moi, je ne sais pas si elle le fait. Les étudiants qui sont ici demandent à l'université, au rectorat, la clarté sur ces collaborations universitaires académiques. Ce matin, les écoles polytechniques ont reconnu un certain nombre de partenariats avec des universités israéliennes et ont reconnu qu'une partie d'entre eux pourrait tomber sous le coup de la législation sur le double usage, donc usage aussi militaire. Ce que demandent les étudiants ici, c'est que soit mis un terme à la collaboration académique avec les universités israéliennes dans le cadre de la guerre que Benjamin Netanyahou est en train de mener, guerre d'extermination qu'il est en train de mener contre la population de Gaza. Oui, mais je pense que c'est important que l'université ouvre la boîte de Pandore, qu'elle donne les secrets de cette organisation et ses collaborations académiques, qui s'ajoutent d'ailleurs à des collaborations avec l'industrie privée, y compris israélienne. Donc tout cela, il faudrait le dire. Et alors s'il y a un comité qui va travailler en ce sens, c'est très bien. Ben, le Conseil fédéral fait preuve de complicité dès le début, et le fait d'avoir coupé en deux la subvention à l'UNRWA est la démonstration du fait que ce Conseil fédéral, et Ignacio Cassis en particulier, porte une co-responsabilité en génocide, parce que c'est un génocide qui est en train de se passer sous nos yeux à Gaza, sans que le Conseil fédéral tape du poing sur la table, comme il l'a fait par exemple, un peu moins modestement, pour l'Ukraine. Alors, oui, sur l'Ukraine, c'est clair, c'est évident, il y a une violation patente, évidente, du droit international par Poutine. Moi, je me suis engagé pour défendre la population ukrainienne, je me suis engagé pour l'application réelle des sanctions économiques contre la Russie. Mais là, à Gaza, on est en train d'assister à un génocide organisé, planifié par le gouvernement israélien, par l'entité sioniste, pour défendre la liberté de Benjamin Netanyahou, qui finirait en tôle pour toute une série d'éléments de corruption, etc., dont il s'est rendu coupable. Donc ce sont 30 000 morts, mais c'est un pays qu'on est en train de détruire. C'est toute une région qu'on est en train de détruire et qui sera disponible demain, peut-être, pour les colons, pour construire des hôtels de luxe au bord de la mer Méditerranée. Une autre question.
merci beaucoup. Ah, oh, c'est trop beau. Pour pas le tatouer. Ok. Thank you.